Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce jeudi 4 février. Parmi les titres développés ce soir sur TV7, une crue historique. Cette nuit encore, les cours d'eau sont montés de nouveau par endroits dans la région. Le Lot-et-Garonne est particulièrement impacté. Dans le sud Gironde, plusieurs habitants ont dû être évacués hier soir. Reportage dans ce journal. En Nouvelle-Aquitaine, l'intérim se réinvente alors que les chiffres du chômage montrent une progression de 5,8% en un an. C'est un nouveau type de contrat, le contrat apprenant qui permet aussi de bénéficier d'une formation pour les métiers en tension. Enfin, la région souhaite expérimenter un protocole d'ouverture pour les lieux culturels, toujours fermés depuis désormais 11 mois. La météo pour ce vendredi, toujours un temps variable sur la région, les éclaircies seront rares. Sur la Nouvelle-Aquitaine, les averses persistent sur le nord-ouest et sur le bassin d'Arcachon également. Quant aux températures, elles affichent 11 degrés à Poitiers, 14 à Bordeaux, 16 à Sarlat, mais aussi à Mont-de-Marsan. Pas de troisième confinement, en tout cas pas pour l'heure. Le Premier ministre Jean Castex a pris la parole il y a quelques instants pour faire le point d'étape sur la situation sanitaire et les mesures de restriction déjà mises en place pour lutter contre le Covid-19. Le taux d'incidence reste inférieur à celui du mois d'octobre dernier. Il a rappelé que 6 malades sur 10 désormais accueillis aux urgences le sont pour cause de Covid. Les chiffres de l'épidémie sont élevés mais relativement stables et parmi les plus bas d'Europe. Le gouvernement reste donc vigilant, notamment concernant les variants déjà présents et qui progressent. Et le gouvernement donc qui maintient les restrictions actuelles aux frontières pour les grands centres commerciaux. L'heure n'est donc pas au relâchement, a rappelé Jean Castex, qui insiste fortement sur la nécessité d'avoir recours au télétravail. Et parmi l'actualité du jour, la Garonne mais aussi la Dordogne n'ont pas cessé de gonfler dans la nuit de mercredi à jeudi. 6 départements néo-aquitains restent en vigilance orange pour risque de crue. Le Lot-et-Garonne a été particulièrement impacté après être passé en vigilance rouge la nuit de mercredi. À Marmande, la crue a atteint des hauteurs exceptionnelles dans la nuit à une cote de 10,20 m. La décrue lente s'est donc amorcée en début de matinée. La circulation reste très difficile encore dans de nombreux endroits, les routes étant coupées par l'eau. Avec Franck Poirot et Claire Eckersley. Le Val-de-Garonne est sous l'eau, il faut prendre de la hauteur comme ici sur le tertre de Meillan dans le Lot-et-Garonne pour se rendre compte de la superficie qui se retrouve aujourd'hui sous les eaux. Ce belvédère d'ailleurs attire les curieux. Non, pas autant. C'est déjà monté très haut, j'ai déjà vu les crues, mais pas de cette ampleur-là depuis que je suis toute petite, j'ai jamais vu ça. Et bien que les gens viennent, il y a beaucoup de curieux et qui n'avait jamais vu ça. Voilà, parce que ça fait quand même 40 ans qu'on n'avait pas vu autant d'eau. De toutes ces maisons, vous voyez que les toitures. Plusieurs villages, comme celui-ci, de Couture-sur-Garonne, sont totalement coupés du monde, inaccessibles autrement que par bateau. Les pompiers ont d'ailleurs passé une bonne partie de la journée à les parcourir sur des embarcations. Il s'agit de s'assurer que tout va bien. Une cinquantaine de personnes ont toutefois été évacuées, dont une à Saint-Macaire par hélicoptère. Des mises en sécurité nécessaires, selon les sapeurs-pompiers. Non, certaines, ce sont des mises en sécurité. Donc il faut vraiment extraire les personnes qui n'ont plus moyen de partir de chez elles. Elles ont peut-être attendu jusqu'au dernier moment, mais actuellement, elles ont besoin également de se ravitailler. Et puis, problème d'électricité, coupure de pas de chauffage, plus d'énergie alimentant leurs habitations. À La Réole, 20 personnes ont été évacuées et mises en sécurité. Certaines d'entre elles sont hébergées dans l'internat du lycée de la ville. Près de 2300 hectares d'habitations sont aujourd'hui immergés dans le Réolais. Cela représente près de 500 maisons. Et pour l'heure, aucun blessé n'est donc à déplorer, même si les dégâts matériels sont importants. Le maire de La Réole, dans le sud Gironde, lance un appel à l'aide, car pour lui, la décrue prendra plusieurs semaines, décrue qui rappelle celle de 1981. Et en 81, avant que l'eau puisse regagner le lit de la Garonne, il a fallu attendre 3 semaines, c'est-à-dire 3 semaines pour ravitailler l'ensemble des maisons à domicile, parce que certains sont restés, ils peuvent vivre au premier étage. Et donc là, on est en train à la fois d'évacuer une partie de la population, mais en même temps d'organiser des ravitaillements. Force est de constater qu'aujourd'hui, on est dans une situation qu'il va falloir gérer sur le long terme, avec notamment des nettoyages qui vont prendre beaucoup de temps. Et je l'espère que les pompiers, comme ils l'ont fait aujourd'hui pour évacuer, nous aideront pour ce grand nettoyage et pas peut-être que les pompiers. J'espère que l'armée viendra aussi pour faire ce grand nettoyage, puisqu'il faut voir que ici, vous avez plein de chemins, plein de routes
qui, quand la Garonne sera rentrée dans son lit, d'ici quelques temps, je pense, il faudra nettoyer toutes ces routes. Et le nombre d'inaires de routes est énorme. Et pour poursuivre sur ce sujet, j'imagine, Olivier Plagnol, que ça fera aussi l'objet de reportages dans la Une de Sud-Ouest demain. Tout à fait. Enfin, beaucoup de reportages, beaucoup de témoignages en Lot-et-Garonne, évidemment, mais également en Sud-Gironde, mais également un papier analytique, en fait, pour essayer d'expliquer ces records d'inondations. Parce qu'il y a des explications aussi très concrètes, hein. Notamment les terrains sont saturés d'eau après les précipitations exceptionnelles de ces deux derniers mois. Et l'artificialisation des sols qui aggrave également ces problèmes, notamment le long de la vallée de la Garonne. Et puis les zones d'épandage de crues qui sont créées aussi pour que notamment Bordeaux ne soit pas les pieds dans l'eau. Mm-hmm. Il faut aussi le souligner. Autre sujet, on va en avoir un exemple tout à l'heure dans ce journal concernant la culture. Oui, sur la culture, donc vous avez également un sujet. C'est l'offensive en fait des lieux culturels de la région qui veulent proposer un protocole scientifique de reprise des spectacles à l'État. Également les musées de Bordeaux notamment qui se disent prêts à recevoir du public dans des conditions évidemment sanitaires. Voilà, parce qu'effectivement, en Italie, les musées sont ouverts. Pourquoi pas en France? Enfin, voilà, beaucoup de ces questions qui se posent, mais avec un monde de la culture régionale qui se bouge et qui propose des choses. Et du sport, parce que ça va nous donner un peu d'air aussi avec le tournoi Destination qui débute ce samedi avec l'équipe de France face à l'Italie. C'est ça. Et donc, l'équipe de France, la composition est tombée aujourd'hui. Mmh. Et là, on revient avec le portrait de Gabin Villiers, qui est l'ailier de Toulon, à la trajectoire à la fois fulgurante et très surprenante. À l'image de son jeu, d'ailleurs, qui est également très surprenant. Ouais, on attend ça avec impatience. Et puis, on attend aussi, évidemment, les premiers matchs et les coups d'envoi. Merci, Olivier, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Pour poursuivre dans l'actualité, les protestations contre la situation sociale et économique, notamment celle des jeunes, un rassemblement interprofessionnel et pour l'emploi, s'est donc tenu à l'appel de plusieurs syndicats. Les manifestants ont notamment défilé contre le plan de relance du gouvernement jugé insuffisant à Bordeaux. Avec plus de 20 ans d'expérience, je gagne 1600 euros net. Et j'estime que depuis la crise du Covid, on nous a rajouté des tâches, nous a compliqué le travail avec un protocole sanitaire très difficile à appliquer dans les écoles et dans les centres de loisirs. Et j'estime que 1600 euros net à 52 ans, ce qui est mon âge, c'est passé, y compris des meilleures conditions de travail, un meilleur taux d'encadrement pour les enfants des centres de loisirs, des moyens pour les centres de loisirs pour faire face à cette crise. Dans le centre de loisirs, on a 48 enfants, on aimerait bien avoir des moyens supplémentaires en termes d'effectifs et en termes de moyens financiers pour proposer des actions plus intéressantes et plus riches aux enfants et aux jeunes des quartiers. Tout ce qui manque depuis de nombreuses années à l'université, c'est largement répercuté avec la crise sanitaire. Et nous, on est pour, du coup, augmenter le niveau de vie étudiant qui est malheureusement désastreux aujourd'hui, c'est-à-dire des raisons de santé, premièrement psychiques, deuxièmement des raisons économiques, à savoir que les étudiants ne peuvent pas soit payer leur loyer, pas se nourrir, etc. à leur faim. On ne manifeste pas uniquement pour les intérêts de certains agents EDF, mais on manifeste également pour l'ensemble des consommateurs qui vont voir leur facture d'électricité augmenter. C'est ce qu'on a vu depuis la privatisation du secteur avec la mise en concurrence d'entreprises. On a vu que les prix d'électricité, loin de diminuer, a augmenté et les consommateurs, au niveau de leur facture, paient de plus en plus. Retour sur une actualité de ce lundi. Un squat de la commune de Pessac a donc pris feu ce lundi après-midi. Un bâtiment qui abritait au total 20 personnes selon une convention d'occupation accordée par la métropole. 20 personnes dont la plupart se retrouvent aujourd'hui démunies et sans abri. Reportage sur place avec Bénédicte Doin. C'est à 14h que s'est déclenché l'incendie qui a réduit en cendres cette maison. Une bâtisse habitée depuis 2017 par certains de ses occupants. Des occupants qui ont tout abandonné pour échapper aux flammes. Ils ont perdu leur portable dans le feu, leur chargeur, ils ne peuvent pas charger leur portable, ils ne peuvent pas donc appeler le 115. Enfin, tout est un enchaînement, ils ont tout perdu leurs papiers. Certains ne pouvant pas ouvrir un compte en banque ici en France pour le moment ou pas encore, enfin bref, ils ont perdu aussi leur argent. Depuis le drame, une chaîne de solidarité s'est mise en place pour venir en aide aux habitants du squat.
Sur les 20 occupants, seuls 3 d'entre eux ont été pris en charge par le 115. Depuis lundi, on est là, dans la rue, soi-disant dans la rue, parce que voilà, on n'a pas là où habiter. On n'a pas eu de solution aussi pour des endroits là où dormir. Privés de leur squat, la plupart sont donc aujourd'hui sans abri. Une situation alarmante qui interpelle les élus de l'opposition pour qui la mairie de Pessac n'en fait pas assez. Moi, je ne comprends pas pourquoi, dans l'urgence, il n'y a pas eu quand même ouverture d'un gymnase, d'une maison municipale, parce qu'actuellement, c'est des lieux qui sont vides à cause de la crise sanitaire. Alors, effectivement, on ne peut pas y recevoir du public, mais dans l'urgence, c'était toujours mieux que passer 2-3 nuits sur un parking. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer la cause de l'incendie. Et avec la crise sanitaire, le chômage a bondi de 7,5% en 2020. Et pourtant, certains secteurs d'activité spécifiques ont du mal à recruter. Et cela touche particulièrement les intérimaires. Un des leaders du marché, Adecco, a donc décidé de mettre en place des contrats apprenants. Il s'agit de contrats à durée indéterminée, couplés à une formation continue sur des métiers aujourd'hui en tension. Franck Poirot. Ils sont 1000 en France, dont 100 sur les départements de la Gironde, des Charentes et Charentes-Maritimes, a signé avec Adecco, un des leaders mondiaux de l'intérim, des CDI apprenants. C'est le cas de Marc Finoël. Après plus de 10 ans d'intérim, il vient de signer ce type de contrat. Durant plusieurs mois, cet électromécanicien va suivre une formation continue au sein d'une société spécialisée dans la production d'enrobés routiers, une façon pour lui de sécuriser son parcours professionnel et de s'assurer un emploi stable à l'avenir. Et du fait de ne pas se retrouver sans aucune formation et dépourvu en fait ne serait-ce que de travail par la conjoncture actuelle, on ne peut pas entre guillemets se permettre d'être dépourvu de compétences. Avec la crise, le marché du travail intérimaire a complètement été bouleversé. Chez Adecco, cela s'est concrétisé par une baisse de 60% de son activité au printemps dernier. Si la reprise se fait sentir depuis quelques mois, la société d'intérim constate encore un retrait d'activité de l'ordre de 10 à 16% en fonction des départements en Nouvelle-Aquitaine. Certaines entreprises ne parviennent pas à recruter des salariés. Elles n'arrivent pas à trouver des gens avec les compétences techniques spécifiques dont elles ont besoin. L'idée d'Adecco est donc de permettre à ces personnes de les obtenir via la formation continue du CDI apprenant. On a des secteurs d'activité comme malheureusement l'aéronautique sur le sud-ouest qui est en retrait et dans le même temps des activités, notamment dans la construction et en particulier sur la fibre optique, qui nous permettent de prendre les compétences disponibles de l'aéronautique, d'orienter nos intérimaires et nos candidats vers une formation qui va leur faire acquérir des compétences en fibre optique. Si les secteurs de l'aéronautique, de l'événementiel ou encore de la restauration se sont littéralement effondrés en termes de recrutement, d'autres au contraire sont en recherche de main-d'œuvre. C'est le cas de la logistique, de l'e-commerce ou encore de la construction. Adecco, via ses CDI apprenants, souhaite mettre en place des ponts pour permettre à ces personnes de passer de l'un à l'autre. Adecco fait travailler l'équivalent de 3200 temps plein en intérim dans la région. Elle devrait créer 450 CDI apprenants sur ce territoire d'ici la fin de l'année. L'emploi, un sujet sur lequel nous reviendrons tout de suite après ce journal avec notre invité du jour, Pascal Aprédéris, le directeur régional de la Direct, pour commenter les derniers chiffres de l'emploi et les perspectives en Nouvelle-Aquitaine dans ces temps de crise. 11 mois que les lieux culturels sont désormais fermés et pour permettre de préparer leur réouverture, la région Nouvelle-Aquitaine a proposé au Premier ministre d'expérimenter un protocole sanitaire scientifique avec l'appui de l'ITEM, l'Institut technologique européen des métiers et de la musique au Mans. 300 salles en Nouvelle-Aquitaine sont prêtes à tester et à évaluer ce protocole. Dominique Parmentier. On sait qu'il faudra vivre avec ce virus, a déclaré le président Alain Rousset sur la scène de la Rock School Barbet. Alors avec les acteurs culturels locaux, il a pris le taureau par les cornes pour permettre la réouverture sans risque des lieux de diffusion, des salles de spectacle au festival, sans oublier les musées et les cinémas. Avec l'aide d'un outil scientifique appelé Opéra, qui permet d'évaluer au travers de 30 paramètres la transmission de la Covid-19 par aérosol, il propose d'expérimenter ce protocole en Nouvelle-Aquitaine. Les salles qui seront volontaires auront à leur disposition un outil numérique leur permettant de jauger ces risques et de dérisquer leur manifestation. Ça suppose quand même que le gouvernement donne cette autorisation. Donc au départ, on va prendre 12 salles dans la grande région, une par département, lorsqu'on aura le feu vert. Les entrepreneurs culturels, eux, sont prêts. Franchement, là, tout le monde attend que ça, quoi. Même si c'est compliqué, parce que ce qu'on vit, c'est quand même, on nous enlève tout ce qui est le sel de la vie, quoi. Moi, je suis sûr que quand on va réouvrir, les gens viendront, il n'y a pas de problème.
Par ailleurs, la région demande également une meilleure exposition des artistes et labels indépendants dans le paysage radiophonique et audiovisuel public. Dans les grandes playlists nationales, est-ce qu'on ne peut pas mettre de la création provinciale, entre guillemets ? Pour les labels indépendants qui, sans concert, n'ont aujourd'hui aucune visibilité, c'est presque une question de vie ou de mort. On arrive à un moment où voilà, on peut pas vraiment aller plus loin d'un point de vue trésorerie et puis motivation. Donc ouais, la conséquence, c'est la mort de dizaines et de dizaines d'acteurs indépendants. Donc à partir d'un moment, il faut qu'on trouve une solution de repartir et ou de modifier les règles de l'industrie musicale aujourd'hui afin de permettre aux petits acteurs de pouvoir exposer leur production. Avec, pourquoi pas, l'instauration d'un quota de diffusion pour ces petits labels indépendants. Et la région qui demande au service public de l'audiovisuel une meilleure diffusion des artistes et des labels indépendants. Et justement, dès demain et jusqu'au 21 août prochain, l'AMECA accueille l'exposition Memoria, récit d'une autre histoire. 14 artistes féminines et engagées originaires d'Afrique se sont ici réunies pour dénoncer idées reçues et stéréotypes et donc renouveler le regard sur la création contemporaine africaine. Une exposition visible en virtuel via le site de la FRAC. Memoria, récit d'une autre histoire. C'est l'idée d'une mémoire collective composée d'une myriade de récits, d'histoires et de questionnements et d'expériences éparpillées à travers nos mémoires individuelles, personnelles, intimes. Cette mémoire est révélée dans l'exposition à travers les œuvres d'artistes qui nous restituent un tout commun, un tout universel et surtout qui renouvellent le regard sur la création artistique contemporaine d'Afrique et de ses diasporas. Alors l'exposition s'inscrit dans le Focus Femmes de la saison Africa 2020 et c'est vrai qu'elle contribue très concrètement à renouveler le regard non seulement sur l'art mais aussi sur les artistes femmes d'Afrique qui sont souvent cataloguées à des narrations autour de la condition des femmes. Les 14 artistes qui ont été invités à exposer dans Memoria se saisissent de sujets qui ne sont pas nécessairement liés à la condition féminine, mais aussi à des sujets qui peuvent être aussi bien d'ordre politique, social, économique et bien entendu historique. Restez avec nous dans un instant, l'invité du jour, le directeur régional de la Directe avec qui nous avons fait le point sur l'emploi en Nouvelle-Aquitaine. Et tout de suite après, le 19h Sport, comme tous les jeudis, rendez-vous avec le sport amateur et les plus belles actions du week-end, du football et la défaite des Girondins face à Lille 3-0, mais aussi une page rugby avec la composition de l'équipe de France face à l'Italie. À noter que Christophe Urios, le manager de l'Union Bordeaux-Bègles, a choisi TV7 et Sud-Ouest pour faire un bilan de la mi-saison. Ce sera lundi à 19h, une émission bien sûr exceptionnelle et interactive. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions au coach de l'UBB à toprugby@tv7.com. Merci. Très bonne soirée à tous et à toutes sur TV7.